السلام عليكم الإخوان، كيف الحال؟ بخير. Voilà, هو جورنال لو فينار. Bonsoir mes amis, voilà pour vous le journal Le Vinard avec page course par course au complet. Quinté de samedi 24 août à Clairefontaine, Quartz du Houlay, on y compte. Samedi à Clairefontaine, plat, handicap divisé, 16, pardon. Troisième course, prix de la ville de Tourgiville, prix de Robertel, 53 000 euros, handicap divisé, première épreuve, femelle, classe 2, la distance 2400 mètres. 2400 mètres, voilà, 16 partons, mes amis. On va diminuer la dimension de la page pour pouvoir dominer tout le programme. Comme ça, on est bien. Alors, le 1, R. Thomas, corde 6, femelle, 4 ans. Alors, le quintet rassemble des femelles de 4 à 6 ans. Donc, le 1, R. Thomas, corde 6. Le 2, Apouchin, corde 4. Le 3, Mademoiselle Envelon, corde 13. Le 4, A. Crassus, corde 7. Le 5, Mademoiselle L. Poggionovo, corde 16. Le 6, H. Lebouc, corde 1. Le 7 à Madame corde 3. Le 8 c'est numéro corde 9. Le 9 espace qui corde 10. Le 10 c'est le cœur corde 11. Le 11 Mondizabal corde 2. Le 12 Soumillon corde 5. Le 13 à Le Maître corde 15. Le 14 au Dandinier corde 12. Le 15 M. Guyon corde 14. Le 16 G. Sias corde 8. On continue, donc, ceux qui portent deux anti-slash, alors, ils portent les œillères australiennes, le 3. Le 3 porte les œillères australiennes. Voilà le conseil du professionnel Fabrice Chappi. Le pronostic du professionnel Fabrice Chappi est tel que le 10, le 2, le 4, le 3, le 14, le 5, le 7, le 13. Repéré sur les pistes par nos reporters, Katina, le 5 et Handy, numéro 14. Le terrain lisse à 0 m. Terrain probable très souple à Colomb. Départ prévu à 15h15 en France. Dernière minute, la Diva d'Alben, numéro 13. L'interdit du tiercé indien. 5-7, numéro 16, plus dur ici, la synthèse du statisticien est telle que le 13, 7, 2, 14, 9, 11, 12 et le 5. Voilà quelques lignes, on va aller lire l'opinion du professionnel Fabrice Chappé. Dans ce quintet disputé sur une piste a priori très souple, voire lourde. Voir, c'est-à-dire est aussi lourde, souple et lourde. Je privilégie dans un premier temps la ligne du prix de Sucel. Un quintet similaire disputé le 23 juillet à Dieppe sur 2200 mètres ce jour-là. Costa Edita, toujours vu dans le groupe de tête, ne lâchait rien jusqu'au bout pour conserver une méritoire. Deuxième place aux dépens de Rica de la Vise. Troisième, bonne finisseuse après avoir attendu son heure au sein du peloton. Lorne, quatrième, qui n'a pu suivre la progression de la fissure lauréate. Joli corbeau, mais en concluant malgré tout fort honorablement. Et de Saltflac, sixième, qui avait échoué de peu pour un meilleur classement après un bon parcours, tout près du groupe de tête. Ensuite, méfiez-vous de Handy et Katina, de protéger du redoutable Alain Couetil, avantagé par l'état de la piste et qui ont toutes les deux le profil pour réussir dans leur entreprise dans cette catégorie. Enfin, Trey Rock Woman, d'une régularité de métronome, puis la Diva d'Alben, issue d'un entraînement en plein réussite, sont également deux sérieuses possibilités.
Voilà les repères et sur les pistes par nos reporters. Voilà quelques lignes, on va les lire. Le 5 et le 14 ont montré de bons moyens depuis le début de leur carrière et auront chacune de sérieux arguments à faire valoir. Comme l'a confié son entraîneur Alain Couitil à notre reporter Jonathan Caparo, Katina ne doit surtout pas être condamnée sur ses premiers pas dans les grandes écoles le 13 juin dernier à Longchamp. En effet, elle affrontait des vieux. Mal pour la première fois et n'était pas suffisamment endurcie. Dernièrement à Corlay, elle est battue par le déroulement de la course. Un cheval a pris 200 mètres d'avance et personne n'a voulu ramener le peloton. Il faut oublier cela. Les pluies annoncées sont un avantage car il a pris tout son argent en terrain souple. Quant à Rondi, il est désormais confirmé à ce niveau et a montré sa forme. Il va aussi apprécier l'état de la piste. Tout est OK. Je n'ai pas de préférence entre les deux, mais je peux vous dire que ce sont deux premières chances. Deux premières chances. Dernière minute, le 13, la Diva d'Albène. On continue avec les cotes, les performances, les entraîneurs, l'opinion du Vinard. Voilà, mes amis. Voilà, on diminue un peu pour pouvoir lire ce truc. Voilà les cotes, le 1,19, le 2,7, le 3,15, le 4,11, le 5,13, le 6,20, le 7,5, le 8,16, le 9,13, le 10,8, le 11,12, le 12,5, le 13,8, le 14,10, le 15,11, le 16,26. Voilà les performances, les entraîneurs et l'opinion du Vinard. On va augmenter la dimension de la page pour pouvoir lire ce truc-là. Le 1 à voir, baissé de 1 kg, 19 contre 1. Le 2, confirmation attendue. Le 3, en bout de combinaison. Le 4 a encore les moyens de gratter un lot. Le 5, entraîneur optimiste. Tuyo, le 6, notre outsider préféré. Le 7, base solide, au top. N'affronte ici que des femelles. Le 8 n'est donc pas incapable d'afficher des progrès. Le 9, le regret. Chuchoté le 23 juillet, évolue en valeur 35,5. Le 10, compétitive encore. Au mieux, encore compétitive, avait aussi auparavant un terrain lourd. Le 11, à ne surtout pas éliminer le 12, soumillon sur le dos. Priorité, le 13, dernière minute. Le 14, Tuyo, son entraîneur nous a chauffé. Le 15, avec Guillaume sous-côté. Le 16, n'aura pas la décharge. Et si difficile. Voilà le pronostic du Vinard. Je choisis une de base 14-7. On leur associe les outsiders suivants. 12, 5, 13, 6, 10, 2. Je répète, je choisis une de base 14-7. On leur associe les outsiders tels que le 12, le 5, le 13, le 6, le 10 et le 2. Voilà, on continue mes amis avec les pages course par course. Voilà, samedi Clairefontaine, réunion 1. Première course, dernière minute, le 4. Sixième course, dernière minute, le 2. Deuxième course, dernière minute, le 3. Huitième course, dernière minute, le 5. La quatrième course, dernière minute, le 7. La neuvième course, dernière minute, le 4. La cinquième course, dernière minute, le 7. Samedi à Vincennes, réunion 4. Première course, dernière minute, le 4. Repéré sur les pistes, le 3. La sixième course, dernière minute, le 9. Repéré le 10. La deuxième et la septième. Dernière minute de la deuxième course, le 1. Repéré sur les pistes, le 6. La septième, dernière minute, le 8, 17 partants, repérés sur les pistes, le 12. La troisième course, dernière minute, le 4, repérés sur les pistes, le 7. La huitième, dernière minute, le 8, repérés sur les pistes, le 10. La quatrième, dernière minute, le 5, instrumentaliste, repérés sur les pistes, le 2. Le pic 5, prix de la compétition, prix du clôture
Départ prévu à 17h35. Le pronostic du vinard, je choisis 4-5. Voilà la synthèse du statisticien. Dernière minute, le 7. Repéré sur les pistes, le 2. Le conseil de Fabrice Chappé. Le pic 5. Prix Alfred Lefebvre. Départ prévu à 16h42. Le pronostic du vinard, je choisis 4-7. La synthèse du statisticien, repéré sur les pistes. Dernière minute. Le pronostic du Pierre Verquis. Samedi à 15 sur mer, Réunion 5. Voilà cette course, le prono du Vinard. Bonne chance, mes amis, à la prochaine vidéo avec d'autres journaux.